Ok. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue. Je vais attendre que les gens commencent à se connecter avant de commencer la pratique. Alors déjà, j'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière, pour ceux qui étaient là la semaine dernière. Pour ceux qui éventuellement nous rejoindraient pour la première fois aujourd'hui, je m'appelle Stéphanie. Voilà, donc je travaille avec, avec Benoît au sein de Sport Management System. Et donc là, mercredi 11h, on se retrouve pour notre cours de yoga. Aujourd'hui, vous allez voir, on va travailler en fait la symétrie dans le flow que je vous ai, que je vous propose. Voilà, donc vous verrez. J'espère que ça vous plaira. Et puis, dans une deuxième partie, on viendra revoir ensemble une posture que ceux qui nous suivent tous les mercredis ont déjà commencé à travailler. C'est la posture du corbeau, Bakasana. Donc voilà, on prendra le temps de faire des postures préparatoires à cette posture, comme on avait fait un petit peu la semaine dernière avec la sirène. D'étirer ce qu'il faut étirer, de faire bouger ce qu'il faut faire bouger, notamment le dos, de bien préparer les poignets. Et puis on retentera ensemble cette posture, hein, parce que plus on les fait, plus vous allez voir, vous allez y arriver. Et puis enfin, on terminera avec un petit stretch et puis une relaxation qu'on aura bien méritée. En termes de matériel, comme d'habitude, ceux qui ont l'habitude, allez chercher tout ce dont vous avez besoin. Peut-être une chaise, vous allez voir, on a la demi-lune, donc pour les équilibres, ça peut être intéressant. Les briques, si vous en avez, donc les briques de yoga, ou si vous n'avez pas de briques de yoga, ça peut être un livre, ça peut être une boîte en plastique vide, ça peut être une brique de lait vide que vous n'utilisez plus. Ça va vous aider notamment si vous avez des petits raideurs et que parfois vous n'arrivez pas à toucher le sol dans certaines postures ou à les caler de ci, de là, enfin vous allez voir. Et puis c'est tout, voilà, une bouteille d'eau, peut-être pour s'hydrater un petit peu quand on fait des pauses, voilà. On commence comme d'habitude par un échauffement suivi des salutations au soleil et puis ensuite on commence notre flow. Voilà. Ok, donc si jamais la musique est trop forte, normalement je ne l'ai pas mis très forte, je la mettrai plutôt pour la relaxation, mais si jamais c'était trop fort, n'hésitez pas à me le dire, hein, à laisser peut-être un commentaire, voilà, pour que je puisse la baisser. Ok, je vous invite à vous installer en tailleur, comme ça en même temps ça permettra à ceux qui sont un peu en retard de nous rejoindre. Donc la posture tailleur, c'est celle-ci. Ce que je peux vous proposer aussi, c'est de venir, pour changer un petit peu, placer vos deux talons, hop, l'un au-dessus de l'autre, voilà. De travailler peut-être cette posture. Si vraiment c'est inconfortable pour vous, n'hésitez pas à placer un coussin sous vos fessiers ou alors peut-être aussi tout simplement à tendre les jambes. Hein, voilà, prenez une posture qui vous est confortable. Ceux qui connaissent le demi-lotus ou le lotus complet peut-être, n'hésitez pas aussi à prendre cette posture. Hein, voilà. Ok, je vous invite à fermer les yeux également et puis au choix. Soit vous allez placer vos paumes de main autour de vos genoux, donc ce qui fait que la paume de main va épouser la forme de vos genoux, ou alors pourquoi pas utiliser un mudra, c'est-à-dire pouce index ensemble. Voilà, il y a plusieurs mudras qui existent, celui-ci, pouce index, il va favoriser la concentration. Et en début de pratique, on a besoin de se concentrer puisque chacun avant avait son activité, peut-être que certains d'entre vous étaient en télétravail et ont fait une pause, peut-être que d'autres s'occupaient des enfants, ou peut-être que d'autres viennent de se réveiller. Donc c'est important, pour que cette pratique soit efficace pour vous, qu'on se concentre sur ici et maintenant. Donc je vous invite à prendre conscience aussi de votre respiration, de vos inspirations et de vos expirations. Ça va vous servir à vous concentrer et à vous calmer peut-être si besoin. Inspirez et expirez profondément, tout en gardant les yeux fermés, tout en restant concentré dans la posture que vous venez d'adopter. Et encore, on inspire et on expire. Notre dos est engagé, notre dos est droit, le sommet du crâne va chercher le plafond et vos deux fessiers s'enfoncent dans le sol.
On va commencer à activer la respiration Ujjayi. Ceux qui ne connaissent pas ce type de respiration, elle est très simple. Vous inspirez par le nez tout d'abord et ensuite vous expirez aussi par le nez. Ça, c'est déjà la première étape en yoga, toujours. J'inspire par le nez, j'expire par le nez. Ensuite, vous inspirez par le nez et vous expirez comme si vous cherchiez à faire de la buée contre une vitre, mais en gardant la bouche fermée. Avec la bouche ouverte, ça ferait... Et avec la bouche fermée... Et vous sentez que ça provoque un petit raclement au fond de la gorge. Si c'est ça, vous y êtes, vous avez la respiration Ujjayi. Donc continuez à méditer et à utiliser cette respiration Ujjayi. Tout en gardant les yeux fermés, vous allez commencer à incliner votre tête vers le bas, ce qui fait que votre sternum se rapproche de votre poitrine, de votre menton, se rapproche de votre sternum. Puis, sur l'expiration, au contraire, vous allez chercher vers le plafond avec les yeux. Inspirez et expirez. Encore une fois, on vient réveiller la zone des cervicales. On commence notre échauffement. Encore une fois. Ensuite, vous replacez le regard face à l'écran. Vous inspirez, une oreille vient chercher votre épaule. Puis vous expirez, vous replacez les cervicales. Même chose de l'autre côté. J'inspire, puis j'expire. Et encore. Encore une fois de chaque côté, tout en gardant l'engagement de votre dos. Très bien. Ensuite, tout en gardant les yeux fermés, vous allez poser la paume de main droite au sol et avec le bras gauche, vous allez incliner et aller chercher du côté droit. Voilà, c'est déjà des petits enchaînements qu'on a fait ensemble. Ensuite, on fait la même chose. Je pose la paume de main gauche et je vais chercher du côté gauche avec mon bras droit. Et encore, on vient réveiller toute votre colonne vertébrale. Sur ce mouvement, on garde la cage thoracique ouverte. On garde ce qu'on appelle une ouverture de cœur. Donc surtout, on ne cherche pas à faire une flexion, on ne cherche pas à abaisser le buste vers l'avant. Non, au contraire, on veut l'ouvrir. Donc là, c'est comme si je venais poser mes mains sur vos épaules et que je tirais vos épaules vers l'arrière. Et encore, inspirez. Expirez. Encore une fois de chaque côté. Prenez votre temps. On n'est pas obligé tous d'être calés au même rythme. Très bien. Ensuite, je retrouve mon mudra ou la paume des mains qui épouse la forme des genoux. On va inspirer et on va expirer tout l'air ensemble. On est parti. Inspirez. Expirez tout l'air. Ensuite, inspirez pendant 4 temps. 3, 2, dernier, expirez en 4. 3, 2, dernier, inspirez en 5. 4, 3, 2, dernier, expirez en 5. 4, 3, 2, dernier, inspirez en 6, 5, 4, 3, 2, dernier, expirez sur 6 temps, 5, 4, 3, 2, dernier, inspirez sur 5 temps, 4, 3, 2, dernier, expirez sur 5, 4, 3, 2, dernier, inspirez 4 temps, 3, 2, dernier, expirez 4 temps, 3, 2, dernier, puis inspirez et expirez normalement. Si jamais vous n'arrivez pas à inspirer sur 5, 4, 3, c'est normal, c'est le début de la séance, peut-être que c'est la première fois aussi que vous exercez que vous utilisez ces exercices de respiration. Voilà, donc c'est normal, ça vient petit à petit. Hein. On fera ça aussi à la fin de la séance. Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux et venir vous placer dans la posture de la quadrupédie sur votre tapis.
On va échauffer vos poignets, puisqu'on en aura besoin pour Bakasana, pour le corbeau. Au début, vous avez le bout des doigts qui va chercher le mur qui est opposé à vous, et ensuite, le bout des doigts vient chercher vos genoux. Hein, vous le connaissez, on l'a déjà fait ensemble. Soit vous décortiquez une main après l'autre, ou pourquoi pas faire les deux mains, comme moi, c'est ce que je suis en train de faire, en même temps. Hein, voilà. Donc, je vous laisse faire ça, vous continuez, vous échauffez les poignets. Bonjour Aurélie, Eva, Christelle, à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Voilà, donc on continue comme ça. Voilà. Et cette fois-ci, regardez, la paume des mains, hop, je la tourne vers l'intérieur et elle vient chercher l'autre main. Puis je reviens normal, hop, et maintenant les bouts des doigts sont face à face et se regardent. Et encore une fois. Ok, ensuite je replace. Maintenant, le bout des doigts vient chercher mes genoux une dernière fois. Les deux mains en même temps si possible. Et regardez ce que je vais faire. Je vais essayer de pousser mes fessiers au maximum vers mes talons. Alors moi, j'ai les poignets qui ne sont pas très mobiles. Je n'ai pas une très bonne mobilité de poignet, donc je ne peux pas aller chercher très loin. Mais parfois, certains arrivent vraiment à descendre les fessiers vers les talons. Donc essayez, testez. Mais moi, si je le fais, vous voyez, j'ai mes poignets en fait qui se décollent. Ma paume de main se décolle. Voilà. Et je sens tout de suite que ça tire là dans mon avant-bras et dans mon biceps. Donc j'y vais tout doucement. Ok. Ensuite, on va venir installer nos fessiers sur nos talons. Et on continue l'échauffement de nos poignets avec l'exercice qu'on avait fait la semaine dernière. On ouvre, on ferme. Voilà. Tranquillement. Et là, on va sentir une tension, une chaleur qui va passer dans l'avant-bras, qui va remonter jusqu'aux épaules. Donc, je le disais tout à l'heure, hein, important aujourd'hui de bien échauffer les poignets pour Bakasana, la posture de balance sur les poignets. Et encore 5, et 4, et 3, et 2. Dernier, et relâchez. On se retrouve à nouveau dans la posture de la table. Cette fois-ci, regardez ce qui se passe. Vous allez inspirer une plante de pied, on va dire par exemple plante de pied droit se décolle, le regard va chercher le plafond. Expirez au contraire, le genou vient chercher votre nombril et le regard vient chercher le genou. Inspirez, plante de pied vers le plafond, regard vers le plafond. Expirez, arrondissez le dos, genou vient chercher le bout du nez même. Inspirez, plante de pied, regard vers le plafond, le dos se creuse. Expirez, le dos s'arrondit. Et encore deux fois de ce côté. Inspirez, paume de main, regard plafond, le dos se creuse. Expirez, genou vient chercher le bout du nez. Et pendant tout ce temps, les paumes de main pressent très fort dans le sol. C'est la dernière fois. Ok, ensuite on repose et on va changer de côté. Donc moi je me tourne, vous pouvez rester comme vous êtes. Inspirez, paume, plante de pied, regard vers le plafond. Expirez, le genou vient chercher le bout du nez. Inspirez, dos creusé. Expirez, dos arrondi. N'hésitez pas à exagérer pour bien échauffer la colonne vertébrale. Encore deux fois de ce côté. Inspirez, expirez. Vous devez sentir aussi sur l'inspiration l'engagement de votre muscle fessier, grand fessier. Et expirez. Ensuite, revenez dans la posture de la table. Retroussez vos orteils. Prenez une grande inspiration et sur l'expiration, viens chercher notre premier chien tête en bas. Soyez indulgent, c'est le premier. L'arrière des cuisses est encore raide. Donc, ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est peut-être fléchir les genoux pour privilégier l'allongement de votre dos. Dans le chien tête en bas, on va revoir rapidement les fondations éventuellement pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui. Les deux pieds sont parallèles et on ne voit plus ses talons. Les talons sont cachés par l'avant des pieds. Les bras sont tendus, les épaules sont ouvertes. Surtout, on relâche bien la nuque. Et le nombril, il n'a qu'une envie, votre nombril, c'est de venir chercher vos cuisses. D'accord ? Donc hop, je presse mon nombril vers mes cuisses. Très bien. Maintenant, on va marcher dans ce chien tête en bas. Donc, on pose un talon, puis l'autre au sol. Voilà, vous continuez avec ça, vous marchez. Vous posez les talons, puis vous les décollez tranquillement. Ok. Encore quatre fois.
Et ensuite, on va venir poser les genoux au sol, puis poser le ventre au sol. Je pose tout au sol. Vous allez placer les avant-bras de chaque côté de votre buste. Le regard est dirigé vers le sol. Vous inspirez et sur l'expiration, regardez. Je presse mes avant-bras dans le sol. Je presse mon pubis. Je presse l'arrière des cuisses. Je presse l'arrière du dos. Et je soulève le buste à la force du dos. Posture du sphinx. J'inspire le regard vers le sol. J'expire. Je regarde vers l'avant. Encore deux fois. Inspirez. Expirez. On est encore sur l'échauffement de la colonne vertébrale et l'étirement des abdominaux. Encore une fois. Inspirez. Et expirez. Extension de la colonne. Très bien. Ceux qui veulent essayer, inspirez, expirez. Soit je reste en sphinx ou alors je tends les bras pour augmenter l'extension au niveau du dos. Engagez bien la sangle abdominale et on fait ça une dernière fois. Inspirez avant-bras au sol, expirez. Soit je garde les avant-bras au sol, soit je viens tendre les bras. On tire nos épaules vers l'arrière, vers le bas. Et enfin, relâchez. Repassez une deuxième et dernière fois dans la posture de la table. Genoux sous les hanches, poignets sous vos épaules. Retroussez vos orteils et enfin, inspirez. Expirez, deuxième chien tête en bas. Fléchissez les jambes si besoin. Relâchez bien la nuque. Encore une inspiration, expiration. Puis, marchez à l'avant du tapis. Et venez vous placer en dos plat. Pour le dos plat, on a plusieurs options. Soit j'ai les mains sur la chaise, d'accord ? Soit j'ai les mains sur mes tibias. Soit j'ai les mains sur une brique ou sur une boîte. Soit peut-être j'arrive à poser le bout des doigts au sol. Et là, vous voyez, mon dos, il est droit. Il est incliné, mais il est droit. Ce qu'il faut éviter, c'est ceci. Voilà. Là, pour la colonne vertébrale, c'est pas top. Là, c'est beaucoup mieux. Et dans les quatre cas, la sangle abdominale est engagée, le nombril est aspiré. C'est comme si vous aviez un jean trop serré ou une ceinture trop serrée. Très bien, ensuite inspirez et expirez, main en prière au niveau de la poitrine. Voilà. On va enchaîner avec Surya Namaskar, nos salutations au soleil. Pour ça, nous avons les deux pieds qui sont collés ensemble. Les talons légèrement ouverts sur le côté. On rentre le sacrum à l'intérieur des fessiers si vous cambrez un petit peu. Inspirez, bout des doigts vers le plafond. Expirez, posture de la pince, on plonge, on va chercher le sol. Si besoin, on n'hésite pas à fléchir les jambes pour éviter, pareil, d'arrondir complètement le dos. Ensuite, inspirez, dos plat. Expirez, jambe droite, puis jambe gauche à l'arrière du tapis. Posez vos genoux au sol et là, poitrine, menton au sol. Ce qui fait qu'on a les fessiers surélevés, les avant-bras fléchis, fessiers surélevés. Ensuite, venez glisser dans le cobra. Le cobra, on l'a vu ensemble tout à l'heure. Hein? Hop. Et enfin, venez chercher votre chien tête en bas. Si besoin, n'hésitez pas à bouger les pieds, d'accord, pour faire le réglage. Surtout sur les premières salutations au soleil. Respirez, n'oubliez pas la respiration Ujjayi, inspirez, expirez par la bouche, par le nez, pardon. Et enfin, inspirez et marchez à l'avant du tapis, on retrouve la posture de dos plat. Inspirez, pince. Et enfin, montez le bout des doigts vers le plafond et enfin, main en prière au niveau du cœur. Une inspiration, expiration dans cette posture. Et on est reparti ensemble. Inspirez, bout des doigts vers le plafond. Expirez, pince. Inspirez, dos plat. Expirez, planche. Jambe gauche, puis jambe droite, genou au sol. Poitrine, menton au sol. Et ensuite, glissez dans votre cobra. Dans le cobra, vous avez les cuisses, le pubis et le dos des pieds qui sont très engagés au sol, pressent le sol. Ensuite, nous allons chercher notre chien tête en bas.
profitez, allongez le dos, n'hésitez pas à fléchir les jambes. Et enfin, marchez à l'avant du tapis pour retrouver votre dos plat. Puis, posture de lapin, si besoin, je fléchis les jambes. Et enfin, inspirez, bout des doigts vers le plafond, et expirez, main en prière, au niveau de la poitrine. On va refaire cet enchaînement et je vais donner des petites options pour ceux qui veulent modifier certaines choses dans cette salutation au soleil. Inspirez, bout des doigts vers le plafond, et expirez, pince. Inspirez, dos plat. Expirez, jambe droite, puis jambe gauche. Souvenez-vous, cette fois-ci, soit vous posez les genoux au sol, ou alors, on peut essayer sans poser les genoux au sol, hop, de venir fléchir les bras, chaturanga. On transfère le poids du corps légèrement vers les épaules. Et ensuite, soit vous vous retrouvez en cobra ou en chien tête en haut. Le cobra, c'est si vous avez posé les genoux au sol. Hein. Chien tête en haut, mes cuisses ne touchent pas le sol. Je tire mes épaules vers l'arrière, j'ai les bras tendus. Puis, chien tête en bas. Toujours avec votre poitrine qui est aimantée vers le sol, vers vos cuisses. Et enfin, au choix, soit vous marchez, soit vous fléchissez les jambes. Engagez votre périnée, engagez votre sangle abdominale, puis regardez à l'avant du tapis, vers l'avenir entre vos deux mains. Sautez et on se retrouve directement en dos plat. Allongez votre dos, créez de l'espace entre vos vertèbres. Puis posture de lapin, si besoin je fléchis les jambes pour éviter d'arrondir le dos. Puis inspirez, bout des doigts vers le plafond, expirez, main en prière. Et on est reparti, inspirez, bout des doigts vers le plafond, expirez, posture de lapin. Inspirez, dos plat, expirez, jambe gauche, puis jambe droite, chaturanga au choix. Puis soit cobra ou chien tête en haut. Chien tête en bas. Puis marcher ou sauter à l'avant du tapis. Très bien. On se retrouve en dos plat. Posture de la pince. Inspirez, allez chercher avec le bout des doigts sur le côté. Puis les deux paumes de main se retrouvent ensemble. Et expirez, main en prière. On refait ça une troisième et dernière fois. J'ajoute des nouvelles options pour ceux qui voudraient aller plus loin ou tester des nouvelles choses. On est parti. Inspirez, bout des doigts vers le plafond. Expirez, flexion, posture de la pince. Inspirez, dos plat. Et là, c'est important ce que je vais vous expliquer. Soit vous prenez ce qu'on a vu tout à l'heure, ou alors, nouvelle possibilité. Regardez ce qui va se passer. Je vais sauter pour me retrouver directement en chaturanga. Ce qui est important, c'est de ne pas sauter dans la posture de la planche. Ça, c'est très mauvais. Il faut sauter dans la posture de chaturanga. Chaturanga, c'est la petite, pompe triceps. Donc, ça donne ça. Hop. Et vous avez vu mes bras? Je suis directement en chaturanga. J'espère que vous avez bien pu voir à l'écran. Voilà, je ne suis pas arrivée comme ça. Je suis arrivée directement comme ceci. Ok? Allez, s'il y en a qui veulent essayer, c'est le moment. Donc, on était en dos plat. Et ensuite, soit vous décortiquez la planche, soit on est parti directement en chaturanga. Voilà, donc j'ai les bras fléchis. Et ensuite, soit vous avez votre cobra, soit vous avez votre chien tête en haut. Puis votre chien tête en bas. Puis soit vous marchez, soit vous fléchissez les jambes, vous regardez vers l'avenir, vers l'avant du tapis. Sautez et on se retrouve tous en dos plat, puis flexion avant, posture de la pince. Si besoin, fléchissez les genoux pour protéger le dos. Enfin, inspirez, bout des doigts de chaque côté, puis vers le haut et expirez, main en prière. Il nous reste un côté à faire. Donc, pour le chaturanga, au choix, soit genoux au sol, soit vous le faites sans les genoux, soit vous le faites avec le saut. Ok? On est parti. Inspirez, bout des doigts vers le plafond. Expirez, posture de la pince. Inspirez, dos plat. Expirez, au choix pour le chaturanga. Je remonte pour ceux qui veulent faire le saut.
Hop, et je suis directement en pompe triceps. Ensuite, chien, tête en haut. Puis, chien, tête en bas. On va rester dans ce dernier chien tête en bas des salutations au soleil, encore pendant deux inspirations, expirations. Voilà, restez, installez-vous, profitez de ce chien tête en bas, étirez votre dos. Encore une inspiration, expiration, et ensuite au choix, soit vous allez marcher, soit vous allez sauter pour rejoindre l'avant du tapis en dos plat. Puis, posture de la pince, fléchissez les genoux si besoin pour le dos. Enfin, inspirez, bout des doigts vers le plafond. Expirez, main en prière au niveau du buste. Restez dans cette posture de main en prière. Calmez votre respiration peut-être. Inspirez, expirez. Et puis, pendant que vous restez dans cette posture de concentration, je vais vous expliquer la suite. Donc aujourd'hui, je vous ai dit qu'on allait travailler sur le thème de la symétrie. Au lieu de faire le flow à droite puis à gauche, vous allez voir, on va directement enchaîner les deux côtés, droite et gauche, hein, dans l'espace. On retrouve nos fondations si vous les aviez perdues, c'est-à-dire les deux pieds ensemble. Donc vous commencez d'un côté du tapis, je vais essayer de vous guider au mieux avec droite et gauche. Donc d'ailleurs, moi je vais commencer de l'autre côté, on va commencer comme si vous étiez à droite de votre tapis. Inspirez, bout des doigts vers le plafond. Expirez, on va chercher Utkatasana, la posture de la chaise. Vous la connaissez, on l'a déjà pratiquée ensemble. Flexion au niveau des jambes. Les deux genoux sont collés, les deux pieds sont collés ensemble. Si vous cambrez un peu comme moi, hop, vous rentrez le sacrum à l'intérieur. Les deux mains en prière. Et inspirez, expirez, descendez encore un peu plus les fessiers vers le sol. Hein. Vous sentez les cuisses qui s'activent dans cette posture de la chaise. Ensuite, inspirez, votre pied gauche va chercher l'arrière du tapis et va chercher les fondations de votre guerrier 2, Virabhadrasana 2. Les deux talons sont sur la même ligne, la jambe avant est fléchie, la jambe arrière est tendue. Autant de force, autant de dynamisme dans la jambe avant que dans la jambe arrière. Avec la jambe arrière, vous pressez le bord externe du pied, ce qui va vous permettre de fléchir encore un peu plus cette jambe avant. Vous avez le genou droit qui est juste au-dessus de votre cheville droite. Deux paumes de main parallèles au sol et enfin toute notre concentration sur la main qui est vers l'avant. Restez encore une inspiration, expiration dans ce guerrier 2, le temps de vous l'approprier. Puis venez chercher votre grand angle. Vous posez votre coude droit au-dessus de votre genou droit et le bras gauche va chercher vers le plafond. Plusieurs possibilités, problème de cervical, je vais plutôt aller chercher, poser mon regard au sol. Si tout va bien, au contraire, je vais aller regarder le bout des doigts. Très bien. Sans changer les fondations au niveau des jambes, on va venir renverser notre guerrier 2 de tout à l'heure. Donc hop, petit moulin avec les bras et je viens renverser. J'incline ma colonne vertébrale, j'ai mon ouverture de cœur. Je n'ai rien changé au niveau des fondations des jambes. Et ensuite, je reviens dans mon grand angle. Je repose le coude au niveau du genou. Bras, doigts très actifs. Et enfin, je choisis où placer mon regard en fonction des possibilités du jour. Et je repars dans mon guerrier inversé. Je reviens dans mon grand angle. Appropriez-vous ce petit enchaînement. Inspirez, guerrier, renversé. Expirez, grand angle. On va faire ça une dernière fois. Inspirez, j'essaie d'aller un peu plus loin dans mon guerrier 2 renversé. Et enfin, grand angle. Depuis cette posture du grand angle, on va chercher notre guerrier 2 du début. Et depuis ce guerrier 2, on va chercher la posture du triangle, Trikonasana. Là, je suis obligée de changer les fondations au niveau des membres inférieurs. Je vais tendre la jambe avant. La jambe gauche est également tendue. Je vais déhancher vers l'arrière du tapis, ce qui fait que ça provoque une translation, vous avez vu, au niveau du buste. Et quand je suis au maximum, je viens apposer le bras droit sur mon mollet droit. Le bras gauche va chercher au niveau du plafond et je suis dans ma posture du triangle. Chacun suivant sa possibilité. Peut-être que certains d'entre vous vont pouvoir venir toucher le sol
sans fermer l'ouverture de cœur. Allez-y, sinon vous restez comme moi, avec la main au niveau du tibia, peut-être au niveau du genou. Ensuite, prochaine inspiration, le bras gauche vient chercher votre joue gauche, le biceps vient chercher la joue. Voilà. Prochaine inspiration, on replace le bout des doigts en direction du plafond. Et depuis Trikonasana, on va aller chercher la demi-lune. Souvenez-vous, là, il faut que je vienne placer la main droite. Donc, je fléchis un petit peu la jambe droite à côté du pied droit. Et je vais venir faire un transfert de poids. On y va tranquillement, c'est la première. Donc, je rapproche les orteils du pied gauche. Peut-être qu'aujourd'hui, je reste là. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais utiliser la chaise ou une brique. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais soulever de quelques centimètres la jambe. Et si c'est le cas, vous n'avez plus qu'à ouvrir la hanche. Pointer les orteils face à l'écran. Hein, ça, c'est important. Dans la demi-lune. Voilà. Et pareil, soit j'ai le regard au niveau du sol, ou peut-être au niveau de l'écran, ou peut-être, pourquoi pas, qui regarde vers le ciel, vers le bout des doigts. Encore une inspiration, expiration dans cette posture de la demi-lune. Puis, à inspirer, retransférer le poids du corps vers l'arrière. Et on va aller chercher les fondations de la posture de la déesse. Donc, j'ai les deux genoux qui s'écartent sur le côté. J'ai les deux talons sur la même ligne. Je pousse les fessiers vers l'arrière, mais sans cambrer. Donc, plutôt en direction du sol. Et je retrouve mon mudra du début. Pouce, index, ensemble. Gardez l'ouverture de cœur. Voilà. Ensuite, inspirez, au contraire, arrondissez votre dos. Expirez, ouvrez, encore. Inspirez, arrondissez le dos. Expirez, ouvrez, dernière fois. Inspirez, arrondissez le dos, le ventre se creuse, les omoplates s'écartent. Expirez, tirez les épaules, ouvrez le cœur. Ok, restez encore une inspiration, expiration dans cette posture de la déesse. Puis, tendez les jambes. Et là, on va chercher l'étirement intense. Antéversion du bassin. Poussez le bassin vers l'avant, vos fessiers vers l'arrière, les genoux légèrement fléchis. Puis, venez poser peut-être le bout des doigts sur une brique. Rapprochez peut-être la chaise devant vous. Ou pourquoi pas, peut-être toucher le sol avec le bout des doigts. Tout ça en gardant, voyez, votre dos droit. Si vous êtes comme ça, ça veut dire que vous avez besoin d'une brique pour pouvoir faire ça. Ok ? Voilà. Ensuite, venez apposer votre paume de main droite sur votre cheville gauche et ainsi de suite. Vous vous souvenez ces petits mouvements de balancier qu'on a déjà fait hein, pour venir détendre tranquillement le dos et tranquillement l'arrière des cuisses. Inspirez, expirez par le nez sur le mouvement de l'autre côté. Et encore une fois, inspirez et expirez. Puis venez replacer le bout des doigts au centre, puis main au niveau du bassin, inspirez, expirez, remontez à la force du dos. Ok. On retrouve notre posture de la déesse. Et là, depuis la posture de la déesse, regardez ce qui va se passer. Je vais venir transférer mon poids du corps sur la cheville gauche. Donc je transfère le poids du corps sur la cheville gauche. Et je vais chercher la posture de l'arbre. Plusieurs possibilités. Soit j'ai les orteils qui viennent chercher le sol, qui sont en contact avec le sol. Soit ma plante de pied est en contact avec mon mollet. Ou alors ma plante de pied est en contact avec mon adducteur, l'intérieur de la cuisse. Mais, c'est important, il faut que je vous le dise, jamais au niveau de l'articulation des genoux. Souvent c'est là où on se met, parce que c'est un entre-deux. Mais là, c'est très mauvais parce qu'on va pousser sur le genou, d'accord ? Donc, soit ici, ou alors un peu plus haut, hein, suivant le niveau de votre pratique, tout simplement. Et là, ce qui est intéressant dans la posture de l'arbre, c'est l'ouverture des hanches. Par contre, il faut que votre bassin reste face à l'écran. Vous voyez, moi, j'ai une petite ouverture de hanche, donc je ne peux pas pousser très, très loin mon genou. Si je le pousse, du coup, je ne suis plus droite. Donc, je me mets plutôt face à l'écran, quitte à avoir une ouverture de hanche moins importante. Si besoin, j'ai la chaise. Si besoin, j'ai peut-être le mur. Si besoin, j'ai la personne avec qui peut-être je pratique aujourd'hui. Vous pouvez faire à deux. Essayez de tenter de trouver votre équilibre à deux. Une fois que c'est fait, on va venir placer, hop, les deux paumes de main au-dessus de la tête. Et là, on va en profiter pour ouvrir les coudes.
Tirez les coudes vers l'extérieur, tout en essayant de garder les paumes de main ensemble. Soit je reste là, ou pourquoi pas aujourd'hui, je vais essayer de venir tendre les bras vers le plafond. Et là, vous imaginez vraiment, hein, cette posture, elle porte bien son nom, l'arbre, que vous avez des racines sous la plante de pied gauche qui s'enfoncent dans le sol, et que là, vous avez vos branches qui vont chercher la lumière, hein, donc qui vont chercher vers le ciel. Encore deux inspirations, expiration. Bien évidemment, votre sangle abdominale est engagée, le nombril est aspiré, et vous fixez un point loin devant. Dernière inspiration, expiration. Et depuis cette posture de l'arbre, tranquillement, on va essayer, sans poser peut-être le pied au sol aujourd'hui, de venir, hop, bouger le genou, je le garde en équilibre. Ceux qui étaient là la semaine dernière, vous vous souvenez, on a travaillé la posture du danseur. Donc, je vais venir attraper, moi je change hein, pour que vous puissiez me voir, je viens attraper ma cheville et dans un premier temps, je cherche déjà tout simplement à rester en équilibre. Pourquoi pas avec pouce index de l'autre côté, le mudra, ça peut peut-être vous aider à rester concentré. Puis, si vous voulez essayer de faire la posture complète, je vais transférer légèrement mon poids du corps vers l'avant. Vous avez donc votre cuisse gauche qui est contractée. Et là, opposition des forces, la paume de main droite pousse sur le pied droit pousse la paume de main droite. Les hanches sont carrées, elles sont donc face au sol. Et là, vous voyez, c'est difficile parfois de garder l'équilibre. Hop. Et j'essaye de pousser au maximum, tout en gardant mon ouverture de cœur. Voilà, et vous restez là quelques secondes, quelques inspirations, expirations, et ensuite tranquillement, hop, vous retrouvez à nouveau la posture de la déesse. Les deux pieds sont écartés, vous fléchissez les genoux qui partent de chaque côté, mudra, et inspirez, expirez. Encore deux inspirations, expirations dans cette posture. Et cette fois-ci, c'est votre pied gauche qui va aller chercher du côté gauche et le pied droit qui vient se placer perpendiculaire au pied gauche. Donc on est dans les fondations du guerrier 2, mais de l'autre côté du tapis. Paume de main parallèle au sol et toute l'attention sur la paume de main qui est vers l'avant. Ensuite, inspirez, venez chercher votre grand angle. Expirez, renversez le guerrier 2. Sans changer les fondations au niveau des jambes. Et encore, inspirez, à chaque fois on dit d'aller un peu plus loin. Expirez. C'est ça qui va vous faire du bien. C'est vraiment de mettre de l'intensité dans des mouvements qui peuvent paraître simples, mais qui en fait, on le voit bien, sont assez intenses. Et encore, inspirez, plante de pied bien ancrée dans le sol, bout des doigts va chercher le plafond, et expirez, renversez, essayez d'aller encore un peu plus loin dans l'inclinaison du dos. Dernière fois, inspirez, grand angle, vous placez votre regard où vous voulez, expirez, renversez. Puis on va revenir dans le guerrier 2, et depuis ce guerrier 2, on va chercher notre triangle. Là, il faut qu'on change les fondations, on tend la jambe avant. On déhanche cette fois-ci à l'avant du tapis, puis on incline la colonne, on garde l'ouverture de cœur, on vient poser la main sur le tibia ou peut-être au sol. Une fois que vous avez trouvé votre posture du triangle, on va ramener le biceps près de l'oreille. Voilà. Pas facile cette posture du triangle. Hein. Inspirez, expirez, calmez le rythme cardiaque. Et depuis la posture du triangle, souvenez-vous, c'est la demi-lune. Donc, hop, je replace le bras vers le haut. Cette fois-ci, c'est ma paume de main gauche qui vient chercher le sol. Je fléchis la jambe gauche et je commence à transférer mon poids du corps. Peut-être que je suis là aujourd'hui, peut-être que je vais un peu tâtonner, décoller, poser. Et puis à un moment, hop, peut-être que ça va décoller et qu'on va pouvoir ouvrir la hanche. D'accord ? Et prendre la posture complète. Je vous laisse tranquillement essayer. Voilà. Ce qui est important dans ces postures d'équilibre,
Vous avez besoin de l'aide de votre sangle abdominale, donc il faut gainer au maximum, d'accord? Ensuite, vous avez besoin de l'aide de vos yeux, c'est le repère. Ils doivent se fixer sur un point, voilà. Et puis après, c'est du travail pour que ça vienne petit à petit. Depuis la posture de la demi-lune, on va retrouver, hop, notre déesse. On transfère le poids du corps vers l'avant du tapis et je retrouve ma déesse, pouce index, sans cambrer, hein, je rentre le sacrum à l'intérieur des fessiers. Peut-être que là, je vais fléchir un petit peu plus au niveau des jambes. Inspirez, expirez. Si vous le souhaitez, pourquoi pas fermer les yeux. Et depuis la posture de la déesse, cette fois-ci, je vais transférer mon poids de corps sur ma cheville droite. Hop. Et je vais venir chercher ma posture de l'arbre. Soit j'ai les orteils au sol, aujourd'hui. Soit j'ai la plante de pied sur le mollet. Ou alors j'ai la plante de pied au niveau des adducteurs. D'accord? Voilà. Je vous laisse vous installer dans cette posture de l'arbre. Le bassin face à l'écran. Soit vous restez là, soit vous venez placer, vous venez joindre les deux paumes de main ensemble au-dessus de la tête. Et là, on ouvre. Tirez les coudes vers l'extérieur. Et pourquoi pas peut-être ouvrez les bras. Deux inspirations, expirations, le temps que tout le monde puisse trouver la posture, la tester. Et ensuite, depuis cette posture de l'arbre, on va chercher le danseur. J'attrape ma cheville gauche avec ma main gauche, mudra. Soit je reste là, ou alors, tiens, je tente, transfert du poids de corps tout en fixant mon poing. Et ensuite, opposition, dos du pied avec la paume de main. Voilà. Et je presse. J'engage mon muscle fessier. J'engage l'arrière des cuisses. J'engage le quadriceps de la jambe de terre. Encore une inspiration, expiration. Et ensuite, tranquillement, vous venez retrouver la posture de la déesse. Et enfin, encore une inspiration, expiration. Puis, vous allez retrouver l'avant du tapis, main en prière. Et inspirez, expirez, récupérez. Je vous laisse calmer le rythme cardiaque. Je vous laisse vous approprier cet enchaînement qu'on a fait donc des deux côtés en symétrie. Cet enchaînement, on va le refaire une deuxième fois. Et je vais incorporer, il n'y en a pas beaucoup, mais quelques options, voilà, pour ceux qui le souhaitent. Voilà, notamment, vous allez voir, au niveau des bras, des choses comme ça. Donc, comme on l'a fait une première fois, maintenant, vous savez ce dont vous avez besoin. Peut-être que c'est le moment d'aller récupérer une chaise, peut-être que c'est le moment d'aller récupérer la brique, si vous ne l'aviez pas fait, pour que vous puissiez profiter au maximum de ce deuxième enchaînement. Donc, vous voyez, on travaille surtout l'ancrage, on travaille la proprioception au niveau des chevilles, on travaille le dos avec les inclinaisons et les ouvertures de hanches, hein, avec l'enchaînement que je vous propose pour démarrer la séance. Encore une inspiration, expiration. Profitez-en peut-être si besoin pour aller vous hydrater. Et puis on est parti. On commence à la droite de votre tapis. Inspirez, bout des doigts vers le plafond. Expirez, chaise, Utkatasana. Sacrum rentré. Les deux pieds, les deux genoux collés ensemble. Les deux paumes de main collées ensemble. Ensuite, inspirez, on va chercher notre guerrier 2. Jambe droite à l'avant du tapis, jambe 2 à l'arrière du tapis. Cette fois-ci, on va le faire de manière un peu plus fluide, hein, sans forcément se concentrer sur les alignements, pour que vous puissiez aussi en profiter. Inspirez, je vais chercher grand angle. Soit le regard au sol, soit le regard vers le plafond. Expirez, je viens renverser le guerrier sans changer la fondation des jambes. Inspirez, grand angle. Expirez, guerrier renversé. Troisième et dernière fois. Inspirez, grand angle. Expirez, guerrier renversé. J'essaie d'aller un peu plus loin. Inspirez, guerrier 2. Expirez, je vais chercher les fondations de Trikonasana. Puis j'inspire et j'expire dans la posture de Trikonasana. Inspirez, biceps près de l'oreille. Expirez, puis inspirez, expirez normalement dans cette posture.
Prochaine inspiration, on va chercher la fondation de notre demi-lune. Fléchissez la jambe droite, posez la paume de main droite ou le bout des doigts de la main droite au sol. Transférez le poids du corps, ouvrez la hanche et le regard est soit au sol, soit en direction du plafond. Encore une inspiration, expiration, puis inspirez, transférez le poids de corps au milieu du tapis et on vient chercher la posture de la déesse. On va ajouter un mouvement des bras qu'on a déjà travaillé ensemble. Votre coude droit vient chercher le creux de votre bras gauche. Coude droit, creux, bras gauche. Puis tirez les coudes vers le bas. Sentez l'étirement au niveau des trapèzes. Puis on relâche. On retrouve notre posture de la déesse. Et on va chercher l'étirement intense. Tendez les jambes. Antéversion du bassin, fléchissez légèrement les genoux, puis mouvement de balancier, paume de main, pied opposé. On fait ça plusieurs fois. Enfin, placez les mains au niveau des hanches, inspirez, extension du dos, puis expirez. Inspirez, on transfère le poids du corps sur la cheville gauche et on vient chercher notre arbre. Vous vous souvenez, trois possibilités pour l'arbre aujourd'hui. Mudra pouce index, puis peut-être main jointe, ouverture des coudes, et enfin peut-être les bras tendus. Deux inspirations, expirations dans cet arbre. N'hésitez pas à utiliser la chaise, à utiliser le mur. Puis depuis l'arbre, je vais venir chercher mon danseur en plusieurs étapes. J'attrape ma cheville. Je trouve ma stabilité, puis transfert du poids du corps légèrement vers l'avant. Opposition des forces avec, entre le pied et la main. Puis tranquillement, on retrouve la posture de la déesse. Cette fois-ci, c'est le coude gauche qui vient chercher le creux du bras droit. Ensuite, tirez les épaules vers le bas. Et relâchez. On va chercher les fondations du guerrier 2 de l'autre côté. Donc, d'ailleurs, c'est de ce côté, c'est moi qui me trompe. Donc, cette fois-ci, c'est votre jambe gauche qui est fléchie, votre jambe droite qui est tendue. Toute la tension sur la main vers l'avant. Allez chercher votre posture du grand angle. Inspirez, expirez, renversez votre guerrier. Et ainsi de suite. Ça, vous le faites plusieurs fois, on n'est pas obligé d'être au même rythme. Ça peut être plus lent, ça peut être plus rapide. Si vous voulez un peu une dimension, on va dire cardio, eh bien ça va être rapide. Au contraire, si vous voulez plutôt travailler la mobilité du dos, ça va être plus lent. Vous allez laisser le mouvement s'installer, le muscle travailler. Dernière fois. Puis on vient à nouveau chercher notre guerrier 2. Et Trikonasana, déhanché, allongé, inspirez, biceps va chercher votre oreille. Posture de la demi-lune, prenez le temps des fondations de la demi-lune, hein. Très important, c'est un équilibre, tranquillement. Inspirez, expirez dans votre demi-lune. Puis tranquillement transférez le poids du corps au milieu du tapis. On est à nouveau dans la posture de la déesse. Cette fois-ci, pourquoi pas aller un peu plus loin. Fléchissez davantage, ouvrez les hanches, tirez les genoux sur le côté. Pointe de pied, suivent la direction des genoux. Et cette fois-ci, transférez le poids du corps sur la cheville droite. Et je viens chercher mon arbre. Peut-être les mains jointes, peut-être les bras tendus. Et enfin, depuis la posture de l'arbre, je vais venir chercher la posture du danseur. Et enfin,
Depuis la posture du danseur, je viens à nouveau chercher ma déesse. Puis, je vais transférer à nouveau le poids de corps à l'avant du tapis. Bout des doigts vers le plafond sur l'inspiration. Expirez, main en prière au niveau du cœur. Restez dans cette posture. Inspirez et expirez plusieurs fois. Voilà, calmez le rythme cardiaque. Je vais vérifier l'heure. Voilà, on est bon, 52. J'espère que ça s'est bien passé pour ces enchaînements. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires comme d'habitude, hein. S'il y a des postures, s'il y a des choses que vous avez besoin qu'on revoie ensemble. Une fois que vous avez calmé le rythme cardiaque, vous allez espacer vos deux pieds. On peut peut-être se mettre d'ailleurs face à face, ce sera plus sympa, hein. Donc vous pouvez vous placer au milieu du tapis, vous mettre face à face. Espacez les deux pieds et on va aller chercher Malasana. Vous vous souvenez, Malasana, il y en a qui le font avec la chaise. Tout dépend de votre flexion des chevilles. Donc si vous ne pouvez pas faire ceci, hein, ce qui est quand même assez intense pour les chevilles et tout ça, eh bien vous pouvez placer une chaise et venir le faire sur la chaise, d'accord? Ou peut-être sans la chaise, mais juste venir faire ça. Mais du coup, vous allez voir, vous êtes un peu sur les cuisses, hein. C'est comme si vous faisiez un squat. Donc, vous n'allez pas pouvoir le tenir très longtemps. En tout cas, l'idée, c'est de faire ça. Malasana, donc ouverture, hop, de cœur, ouverture de hanche. Et depuis Malasana, on va juste venir préparer notre dos pour le corbeau en venant ouvrir d'un côté. Ceux qui sont sur la chaise ou sans la chaise, vous pouvez le faire. Ceux qui sont sans la chaise, je pense que ça fatigue un peu les cuisses, courage. Et après, on vient faire la même chose de l'autre côté. Ne vous inquiétez pas, on va bientôt passer au sol. Ok, ensuite je ramène la paume de main. Et là, si vous êtes là sur la chaise, vous venez nous rejoindre. Si vous êtes comme moi, hop, vous avez juste à basculer les fessiers au sol. On va faire deux postures préparatoires qui vont vous aider dans Bakasana. Bakasana, bascule sur les poignets. La première, c'est la posture du sage. Pour ça, vous avez besoin de tendre votre jambe gauche et de fléchir votre jambe droite, comme moi, je vais essayer de me mettre au mieux. Puis, vous allez tendre vos deux bras, d'accord? Donc, un au niveau du genou droit, un au niveau de la jambe gauche. Celui, le bras droit, donc, va enrouler votre genou droit. Vous voyez, je viens enrouler. Oui, c'est un peu bizarre, mais vous essayez d'enrouler et d'aller chercher vos fessiers. Le bras gauche, lui, hop, il va chercher les orteils du pied gauche, puis il vient faire le tour de votre dos. Et là, l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte, vous voyez, que les deux mains se rejoignent. Voilà, mais ce n'est pas si facile que ça quand on le fait pour la première fois, hein. Ça dépend de la mobilité de son dos, ça dépend de la souplesse des muscles, tout ça. Donc si vous n'arrivez pas à attraper les deux mains, ce n'est pas grave, vous faites comme si vous vouliez qu'elles s'attrapent, hein. Voilà, on pourrait aussi travailler avec une sangle. On prendrait la sangle là, dans chaque main ou la serviette, hop, puis on tirerait d'un côté. Ou la brique, s'il ne reste pas grand-chose, vous pouvez aussi travailler avec la brique. Voilà. Et vous restez là, deux inspirations, expirations. S'il y en a qui veulent prendre l'option plus, eh ben, il suffit de faire une flexion. C'est comme si votre nez voulait aller toucher votre genou. D'accord? Voilà. Donc là, on prépare les bras, on prépare l'épaule, on prépare le dos pour la suite. Ensuite, on va relâcher et on fait la même chose. Mais sauf que cette fois-ci, on tend la jambe droite, on fléchit la jambe gauche. Les deux bras sont tendus. Il y en a un qui enroule le genou et puis il y a l'autre qui va venir s'enrouler derrière votre dos. Voilà. Et si je veux aller plus loin, surtout ne vous découragez pas. Si vous n'arrivez pas à faire en sorte que les deux mains se rejoignent, je vous assure, moi-même, je n'y arrivais pas au début. D'accord? C'est vraiment un travail de souplesse, de mobilité du dos. Je pense notamment, je sais qu'il y en a le dos qui était raide, donc forcément c'est très dur pour vous ça, hein. Donc ne vous découragez pas, il faut y aller semaine après semaine, étape après étape. Ensuite vous relâchez. Dernière posture pour préparer le corbeau, alors celle-là elle est encore plus dure, donc celle-là c'est sûr que vous allez me dire mais je peux pas y arriver, nanana, nanana, mais si, hein. Et moi-même je peux vous dire que j'ai progressé sur celle-ci. Alors, elle est compliquée parce qu'il faut une bonne mobilité des chevilles et des genoux. Donc, si ce n'est pas votre cas, il faut prendre des coussins, vous installer sur la brique, d'accord, ou vous installer sur la chaise. C'est ça. Je suis en Malasana, vous voyez. Et ensuite, eh bien, il faut que je fasse en sorte que les deux pieds se rejoignent. Donc, ce n'est pas évident.
Donc j'essaie de les rapprocher au maximum. Et regardez ce que je vais faire de mes bras. Ils viennent se placer juste devant mes épaules. Donc c'est très très dur. Parce que là, le corps, il n'a qu'une envie, c'est de faire ça. C'est de basculer vers l'arrière. Il faut qu'il arrive à rester en équilibre. Donc vous avez vu le boulot qu'il y a sur les chevilles, hein? C'est très très dur. Donc au début, si j'y arrive pas, je le travaille avec les pieds écartés. C'est pas grave. Et puis petit à petit, depuis très peu de temps hein, que j'arrive à coller mes deux pieds ensemble. D'accord? Parce qu'il a fallu que tout ça, ça travaille. Vous voyez, maintenant je peux y arriver, mais au début c'était très dur. Et vous avez le dos de la main qui vient presser le sol. Voilà. Donc on fait ça tranquillement. Si c'est vraiment impossible, vous reprenez le sage. Hein? Encore une inspiration, expiration. Et ensuite, on va relâcher. Voilà. On va refaire notre posture du corbeau. Maintenant, on est prêt. On a vu les trois postures préparatoires pour Bakasana, le corbeau. C'est le moment d'installer, par exemple, j'en ai amené là aujourd'hui pour vous montrer. Vous pouvez installer un coussin si vous avez peur. Vous savez, de tomber. Hop, vous mettez votre coussin devant. Et puis, on va revoir ensemble les fondations. Donc, on démarre déjà en dos plat. Je suis en dos plat, vous voyez. Hop, et ensuite, je descends jusqu'à ce que, et ça, c'est très, très important. Sans ça, vous ne pourrez pas y arriver. Je sais, ça va bouger, mais c'est normal. Jusqu'à ce que vos aisselles viennent se caler dans vos genoux. D'accord ? Ensuite, bien évidemment, vos talons sont décollés, ok ? Vos paumes de main sont au sol, tous les doigts de la main sont bien écartés, les paumes de main sont juste devant vos pieds. Elles sont allées à 10, 15 cm maximum. Et là, votre regard, il doit aller regarder l'avenir. S'il regarde vos pieds, vous allez tomber. Donc, vous regardez l'avenir, hop ! Et déjà, vous basculez sans décoller les pieds, vous basculez. Sentez le poids qu'il y a dans vos triceps, hein, c'est lourd, je sais, c'est normal, c'est tout votre poids. Et ensuite, soit vous décollez un pied pour aujourd'hui, soit le deuxième. Et si vous tombez, regardez ce qui se passe, c'est ça. Je vais le faire pour vous. Hop, hop, je tombe. D'accord? Mais c'est pas grave. Vous avez le coussin, vous avez la couverture, c'est pas grave. Ok? Voilà. Donc on refait ça encore 2-3 fois ensemble. Voilà. Donc vous voyez, moi je rehausse mes fessiers. Ils sont vraiment très très hauts. Je cale mes genoux dans mes aisselles, même si je sais que ça va bouger. Et ensuite, je transfère avant toute chose mon poids du corps. Vous avez vu là? Hop, je suis vers l'avant, je regarde vers l'avenir. Et seulement après, je viens décoller. Et si je suis très à l'aise, vous pouvez aller remonter les talons près des fessiers. D'accord? Voilà. Et là, moi, je sens que je n'ai pas trop de poids sur mes poignets. J'ai beaucoup de poids sur mes avant-bras, mais pas trop sur mes poignets. Hein, parce qu'il faut être très gainé. Voilà, donc allez-y, je vous laisse encore retenter ça. Et puis, après, dites-moi ce qui est difficile pour vous. Est-ce que c'est de caler les genoux dans les aisselles? Ou ça, ça va? Est-ce que c'est plutôt la peur de tomber? Est-ce que c'est qu'il y a trop de poids sur vos triceps? Est-ce que c'est vos poignets qui sont fragiles? D'accord? Voilà, pour savoir. Il y a... Ok, plus de son. J'espère que tout le monde a eu du son. Je viens de voir vos messages. Voilà, donc je vous laisse tester, retester. Et puis une fois que vous êtes fatigué, parce qu'elle est quand même très fatigante cette posture, on va tous se retrouver tranquillement sur le dos pour notre Shavasana. Voilà, donc je vous laisserai vous installer sur le dos. Moi, je vais rester en tailleur, mais c'est juste pour pouvoir vous guider pour la relaxation. Mais sinon, installez-vous en Shavasana avec les jambes tendues, les paumes de main soit vers la terre, soit vers le ciel. Voilà. D'accord, ok Aurélie, bon, on verra ça. Hein. J'essaierai de te donner des tips par message. Voilà, donc installez-vous en Shavasana. Je vais essayer de vous mettre la petite musique que vous aviez bien aimée là, la semaine dernière. Hop. Donc allongez-vous au sol, calmez votre respiration. Et puis on va laisser votre corps digérer ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Je vous invite à fermer les yeux. Voilà, à vous détendre. Et si vous avez du mal à vous détendre, à ne penser à rien, eh bien tout simplement concentrez-vous sur votre respiration ou
Vous le savez, on peut aussi se concentrer sur ce qu'on appelle le troisième œil, qui se situe entre vos deux sourcils. Voilà. On va relâcher vos chevilles, qu'on a pas mal sollicitées avec les exercices d'équilibre. Puis, on va relâcher vos genoux, l'intérieur de vos cuisses, votre bassin, votre colonne vertébrale, le haut de vos épaules, vos poignets, vos coudes, et votre tête. Vous laissez l'arrière de la tête s'ancrer dans le tapis, sans résistance. Et vous laissez même tout votre corps sans résistance s'ancrer dans le tapis. Et vous continuez à respirer tranquillement. Si vous n'enchaînez pas avec le circuit, je vous invite à peut-être même prolonger ce Shavasana. Il est tout aussi important que ce qu'on vient de faire avant. La pratique physique est importante, mais elle permet justement ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire d'être au maximum détendu, puisqu'on a libéré l'énergie avant, donc d'être au maximum détendu dans la posture du Shavasana, et peut-être même qu'après, il y en a qui enchaînent avec une méditation. Le yoga, c'est vraiment ça, c'est exercice physique pour ensuite permettre la méditation. Puis, tout doucement, chacun votre rythme, vous n'êtes pas obligé de me suivre si vous voulez rester après dans le Shavasana. Vous allez bouger vos articulations, les poignets, les chevilles. Ramenez vos genoux sur la poitrine. Peut-être certains auront envie de s'étirer. Ou peut-être certains auront envie de masser le bas du dos. Pour ça, vous faites des petits cercles avec vos genoux. Le dos est au sol et vous faites des petits cercles dans un sens, puis dans l'autre, pour masser le bas du dos. Une fois que c'est fait, vous allez tranquillement vous incliner d'un côté. Inclinez votre bassin, inclinez vos épaules, donc pour retrouver la posture du fœtus. Et puis, on va rester là, une ou deux inspirations dans cette posture. Voilà, j'ai pas pu vous mettre la petite musique que je voulais parce que ma tablette ne capte plus. Puis, avec l'aide de la paume de la main, vous allez vous redresser. Si vous pouvez, je vous invite à garder les yeux fermés encore quelques instants. Vous allez vous redresser dans la posture du tailleur qu'on a eue tout à l'heure. Vous placez les paumes de main autour de vos genoux ou en mudra, comme vous préférez. Et puis vous inspirez et vous expirez. Vous commencez à réveiller la cage thoracique. Vous remplissez d'air, vous réoxygénez toutes les cellules musculaires qui viennent de travailler. Vous réoxygénez votre cerveau qui a dû être concentré aussi. Autant de temps sur l'inspiration que sur votre expiration. Puis tout en faisant ça, en inspirant, en expirant, vous allez juste incliner la tête en direction de votre nombril, en direction du centre du corps. Et puis vous allez porter toute votre attention sur vous. Avant, plus tard, de la porter sur les autres dans la journée, mais déjà sur vous. Puis vous reprenez des inspirations et des expirations normales. On abandonne la respiration Ujjayi.
Et tranquillement, on va replacer le regard, soit peut-être face à l'écran ou face à la personne qui était face à vous, qui pratiquait avec vous, face au mur. On va ouvrir les yeux tout doucement. Et puis, on va pouvoir se reconnecter aux autres et puis à ce qui nous attend pour cette journée. J'espère que ça s'est bien passé. Il y avait effectivement des choses qui n'étaient pas faciles, mais maintenant, vous le savez, hein, voilà, tout ça, ça vient avec le temps. Comme d'habitude, on reste en contact, on échange. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Profitez bien de la journée pour ceux qui ont du soleil. Voilà, et puis préparez bien aussi votre déconfinement, hein, là qui va venir petit à petit. De toute façon, on a vu avec Benoît, mais je pense qu'il vous le redira, on reste en contact, on va certainement hein, continuer nos séances. Voilà, et ben, très bonne journée, et puis à bientôt. Au revoir. Merci à tout le monde.